550 millions d'euros d'investissement et une usine de 130 000 mètres carrés, PSA, Peugeot, Citroën et Mitsubishi n'ont pas lésiné sur les moyens. En 2010, les deux géants de l'automobile se sont associés pour ouvrir cette usine à 200 km de Moscou et partir à la conquête du marché russe. 1700 personnes travaillent ici et nous prévoyons d'en embaucher 1000 de plus pour atteindre notre objectif, qui est de produire 125 000 voitures par an. L'an dernier, PSA Peugeot Citroën a enregistré une croissance de 35% en Russie. Dans cette ruée vers l'or, le français n'est pas tout seul. Renault a lui aussi parié sur l'Eldorado russe. La marque aux losanges a ouvert cette usine à Moscou en 2005. Depuis, les ventes ont décollé, plus 61% l'an dernier et 155 000 véhicules produits. Le constructeur occupe désormais la deuxième place du marché russe. Il est même devenu la première marque étrangère. Au salon de l'automobile de Moscou, le mythique Lada, qui reste leader du marché, a désormais pour voisins des Européens. Tous les grands groupes sont partis à la conquête de la Russie. Avec moins d'un Russe sur trois qui possède une voiture, deux fois moins qu'en Europe, les perspectives sont immenses. La Russie aujourd'hui, je dirais, c'est un peu le Pérou. C'est un marché qui booste énormément, qui se développe très, très fortement et qui est certainement un des marchés qui croît le plus dans le monde. General Motors est aussi dans le tableau de tête des constructeurs. Il y a quelques jours, l'Américain a annoncé un investissement d'$1 milliard d'ici 2018 pour augmenter les capacités de ses usines. Le marché russe fait rêver les grandes marques. De quoi oublier la crise économique européenne. C'est clairement un des marchés qui aujourd'hui compense les difficultés de tous les constructeurs en Europe de l'Ouest compte tenu de la situation économique. Avec une croissance de près de 4% par an et un taux d'endettement dérisoire, la Russie apparaît comme un marché sûr. Les constructeurs automobiles ont encore de belles années devant eux.